voie de disparition. C'est un animal qu'on est en train de les tuer et qui est en train d'en avoir moins de plus en plus. Un animal en voie de disparition, c'est quand un animal, on ne le voit plus, il disparaît, comme quelqu'un qui meurt. C'est des animaux qui vont disparaître, qui meurent de plus en plus et qui disparaissent parce que l'homme le chasse. Voilà. Enfin, le mange. Pour se nourrir. Ou je crois pour se faire un habit. Avant, il avait des vestes comme ça pour bien se protéger du froid. On pourrait avoir une collection d'animaux dans sa maison, quoi. Pas le droit de chasser les animaux juste pour ça, en fait. Pour se faire de l'argent, on peut acheter, faire un autre truc que ça. Un animal d'apparition, c'est qu'on les tue. À cause des humains, ils polluent, ils jettent des papiers dans la mer. J'ai vu un plastique dans la mer et après la tortue, elle a foncé dessus et après, elle ne pouvait plus respirer. Elle a essayé d'enlever et elle n'a pas réussi et elle est morte. Les baleines, les tortues. Les dauphins. Les couches aussi. C'est un oiseau. Les singes, les loups. Aussi, ils peuvent disparaître, comme les phoques ou les otaries, je ne sais plus. Tu sais, ceux qui vivent sur la glace au milieu de la mer, ils sont morts parce qu'il fait un petit peu plus chaud. À cause des voitures, de tout ce qui pollue, et ça fait du CO2, et après ça va dans le ciel, et de plus en plus, il fait de plus en plus chaud. Les orang-outans, c'est un animal en voie de disparition, parce que les gens, ils coupent les arbres. Mais en fait, je crois qu'ils ne s'occupent pas vraiment des animaux, je crois. Essayer de coller des affiches, de dire « Non, on arrête de chasser les animaux et tout. » Pour que ça change. Oui, c'est important. On sera presque tout seul dans la nature et on n'aura pas d'animaux de compagnie et on sera triste.